permettre d'avoir un clinique centré sur le mini basket qui n'est plus, je disais, il y a une demi-heure projet, mais qui n'est plus à l'état de projet, puisqu'il est formalisé depuis cette saison-ci en formule de rencontre, donner la possibilité d'avoir non pas une théorie du basketball sur le mini basket, mais vous permettre évidemment d'avoir des situations de jeu, trucs et ficelles. Vous allez avoir deux des chevilles ouvrières du 3 et 3 pour la WDB. Il y a Émilie qui est en train de se cacher là-bas derrière et qui donc est notre chargé de cours. Et vous avez Benoît Vercreuse qui est aussi avec Émilie un des trois coachs qui ont créé le pôle mini basket avec Julien Martin-Grave il y a quelques temps d'ici et qui est en place depuis 2 ans dans les formations des antennes. Avant de leur céder la parole, Émilie, tu sais quelques trucs, s'il te plaît. Monte la page, sur voilà. Donc vous avez en haut à gauche et en jaune une bande noire qui vous offre la possibilité d'avoir un onglet qui vous est réservé pour tous les coachs sur la promotion du mini basket. Et donc vous y trouverez différents items sur lesquels vous aurez des informations pour vos entraînements. Voilà, vous avez les différents items qui sont ici. Je vous invite de plus qu'à parcourir la rubrique téléchargement qui va aller dessus et vous aurez dedans un module. Qui est ici en accès libre, comme c'est bien spécifié, tout le module y est avec des vidéos. D'accord? Et donc vous aurez la voix de Seth Dufour qui vous explique le module en ligne. Pour les candidats qui sont en formation, le module qui est là, c'est la partie que l'on appelle e-learning, la formation en ligne, qui vous permet. Vous êtes à domicile, si vous n'avez pas opté comme choix de venir sur un site de formation, de pouvoir bénéficier de la formation à votre domicile. Mais si vous venez sur un site de formation, vous bénéficiez de ce que moi j'appelle classiquement la piqûre de rappel. Vous avez suivi des cours en formation avec l'expertise des chargés de cours. Et puis derrière cela, vous avez encore votre module en ligne pour préparer vos examens. Vous voyez que vous publiez ici de rencontres qui ont fait l'objet de discussions avec vos représentants des comités provinciaux. Et nous avons publié ici, si tu veux bien l'expliquer, une fiche d'entraînement spécifique au mini basket. D'accord? Et donc, toute la méthodologie que les chargés de cours dispensent dans les formations y figure sous une forme tabulaire. Et vous voyez que les schémas sont libres d'organisation. On n'a pas préimprimé des raquettes à un terrain de basket. Ça vous donne la liberté pédagogique d'organiser vos séances d'animation, de jeu, sur base de ce que vous souhaitez avoir comme objectif pendant une heure d'entraînement, une heure d'animation. Et donc c'est important, évidemment, de connaître là, et moi je vous invite à l'exploiter si vous n'avez pas de support, c'est pas une obligation, c'est en libre service. Et si vous êtes coordinateur technique dans votre club, de peut-être le proposer à vos entraîneurs pour qu'ils puissent avoir un document sur lequel ça compte. Voilà, donc, je vais bien revenir sur la page de l'ADVD. Alors, si vous allez sur la web, vidéo.
ne connaissaient pas le site de la OEBB. Pour eux, il n'y avait pas de site, ça n'existait pas. Je vous fais la preuve, évidemment, par A plus B, qui est là. Et en plus de ça, ce site vous permet d'avoir des cliniques. Car c'est pour moi, vous êtes déjà dispensé des cliniques, ici dans la salle polyvalente, et vous avez la possibilité pendant 1h40 de l'entendre. Si évidemment, vous assurez aujourd'hui, vous oubliez, vous allez sur les mini, parce qu'il dit, il y a également, si on descend, voilà, il y a une clinique. Voilà, la clinique Émilie a dispensé au Petit Country à Liège. Il est publié là-bas. Et donc, de nouveau, vous avez accès à l'information. Et vous êtes confortablement installé chez vous. Et vous pouvez prendre des informations, écouter ce que les chargés de cours à WebDB. Voilà, donc, je vous invite, franchement, c'est une mine d'informations, à aller sur le site et peut-être créer cette communauté mini-basket en parlant dans le bouche à oreille, dans votre club ou dans vos rencontres avec des entraîneurs. Comme ça, ça permettra de faire la promotion des possibilités de coaching, des possibilités d'entraînement, d'animation. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vais vous laisser dans les mains d'Émilie et de Benoît avec les enfants. Et je vous souhaite d'ores et déjà un excellent clinique. Voilà, merci à vous et bon clinique. C'est sur cette base-là que l'on a décidé de présenter ici un contenu de formation avec Émilie. Le pourquoi donc, de ce thème, eh bien, on s'était dit que, puisque les adultes, et on avait pris le titre de la présentation de Fulvio un peu en miroir, on s'est dit, mais tiens, si les adultes parlent, hein, le basket adulte parle de la lecture offensive dans le jeu hors ballon, eh bien nous, au mini-basket, si on veut préparer les enfants à plus tard pratiquer le sport dans les meilleures conditions et aussi qu'ils puissent lire le jeu, eh bien, si on le fait dès le plus jeune âge, eh bien, on va gagner du temps et on va faire avancer notre discipline. Et donc, on a fait l'exercice difficile, en tout cas, de partir sur un sujet, on va dire, imposé. Et on a travaillé dessus ensemble. Et puis, Émilie était présente ce matin. Et donc, on va aussi faire des parallélismes par rapport à ce qui a été présenté ce matin par Fulvio. On pense que, en tout cas, c'est important de faire des ponts en se disant, ben voilà, voilà ce qui est pratiqué au haut niveau, voilà comment réfléchissent certains coachs au plus haut niveau. Eh bien, est-ce qu'on ne sait pas, il y a fait certains éléments, évidemment, d'un point de vue adapté, mais certains éléments au niveau du basket chez les jeunes et plus particulièrement chez les U8, puisque ici, on s'intéresse aux 3 et 3. Ça va ? Donc on va co-présenter, c'est-à-dire qu'on va alterner les tours de parole au mieux pour que vous puissiez écouter et rester attentif et vous puissiez prendre un maximum d'informations. Donc on va se compléter au niveau des propos. Vous allez voir qu'à certains moments, je vais présenter des situations, à d'autres moments, Émilie le fera. Et on trouve en tout cas que c'est assez riche de le faire à deux et surtout de faire des ponts par rapport à ce qui a été dit ce matin. Ça va ? Voilà. Alors, on va commencer sur... Mais tiens, on va fixer le cadre. Je pense que ce matin, les orateurs ont aussi fixé un cadre sur lequel on va pouvoir travailler. Et bien ici, pendant une demi-heure, on va fixer les balises du travail. Et la première balise que l'on souhaitait réaliser avec vous, mais c'est finalement,
quelles sont les contraintes au niveau de la lecture de jeu, donc c'est quoi la lecture de jeu et puis quelles sont les contraintes chez l'enfant. Et donc on va vous inviter à observer ici, on a pris une petite vidéo, et on va vous demander déjà individuellement de lister à votre avis quelles seraient les différentes contraintes qui agissent sur la lecture de jeu dans le jeu 3 et 3 chez les 8. Juste avant de commencer la vidéo, on a vu ce matin avec Fulvio que même chez les U16, je pense qu'il était là, même chez les U16, c'était compliqué. C'était compliqué. Et donc ce qu'on va demander aux enfants, ben, c'est compliqué aussi. Et il faut le savoir avant. Et c'est pour ça qu'on va devoir simplifier les situations. C'est parce que c'est compliqué. Vous allez voir que la vidéo est très brève, mais elle met quand même déjà pas mal de choses en lumière sur les difficultés qu'ont les enfants. Si on devait les lister, parce que c'est important de savoir voilà, sur quoi on va travailler, les lister, quelles sont les contraintes au niveau de la lecture du jeu chez les enfants. Qualité et longueur des passes. C'est vrai que, en tout cas, les caractéristiques des enfants, hein, les enfants, ça va déjà être une première contrainte, c'est-à-dire leur possibilité motrice. D'accord ? Ça, c'est tout à fait vrai. Quoi d'autre ? Le ballon, exactement, c'est une contrainte aussi, il y en a certains qui en ont peur, d'autres qui n'ont pas peur, l'aspect en tout cas, le poids du ballon, etc. Donc le ballon, tout à fait, deuxième, autre contrainte, les défenseurs, donc les adversaires, d'accord, ou en tout cas ceux contre qui on joue, d'accord, mais aussi les partenaires, ça va être aussi des contraintes au niveau de la lecture du jeu, ça va. Il y a d'autres éléments que vous avez vus. Oui, donc tout ce qui est espace, tout à fait, c'est... Je rejoins un peu ce que vous disiez quand vous dites les passes aussi, hein. C'est la notion d'espace, non seulement par rapport au joueur qui a la balle, mais par rapport à l'autre également. Ah oui, ils aiment tous le ballon, c'est vrai. Voilà. De nouveau, on revient dans l'espace, absolument. Donc là, c'est l'enfant et le ballon qui est attiré, d'accord. Et quoi d'autre? Donc il y a l'espace, hein, tout à fait, l'espace sur lequel on va jouer. Pardon? Ouais, oui, voilà le principe. Hein. Ouais. Pardon? Les consignes de parents et des... Voilà, exactement. Ici, ça n'est pas très apparu, mais c'est vrai que les parents, d'accord, et les entraîneurs, mais ça fait partie de l'environnement. Évidemment, c'est des contraintes sur lesquelles on va essayer, au niveau des parents, mais de gérer au plus vite pour que les enfants puissent saisir les bonnes informations et ne pas être sujet. Hein. C'est pas comme un adulte qui sait plus facilement, en tout cas, sélectionner les informations. C'est vrai que la famille, les proches qui sont là, eh bien, c'est aussi des contraintes qui pèsent sur le jeu et sur la lecture du jeu. D'accord ? Et évidemment, l'entraîneur, là, on l'a entendu par rapport à ses consignes, mais c'est aussi d'autres contraintes sur la lecture de jeu. D'accord ? Donc, c'est pour ça aussi qu'il va falloir, et on en parlera tout à l'heure dans l'intro, ben, se rendre compte de comment on agit par rapport aux enfants, puisqu'ils vont être forcément très liés à ce que l'on va dire et à ce que l'on va faire. Et donc, on va en parler aussi. D'autres éléments? Tout à fait, d'accord. Donc, les éléments visuels, d'accord, des enfants, c'est aussi les capacités visuelles, on en reparlera aussi, mais c'est aussi des contraintes qui peuvent peser sur la lecture du jeu. Ça va, on va voir à quel âge, ou en tout cas, au niveau de la vision, on ne rentrera pas trop dans les détails, mais on fixera aussi certaines balises. D'autres éléments, vous voyez? Oui, donc ça c'est les caractéristiques
Il y a aussi le temps. Le temps qui, bon, on va jouer sur en tout cas, toutes les dimensions temporelles, de rythme, de chronologie, de durée, tout ça, les éléments temporels, ça va être aussi des contraintes. Donc, il faut savoir que le basket, eh bien, il intègre un certain nombre de contraintes, et donc, on va devoir gérer ces contraintes. Et la lecture de jeu, eh bien, de la part, en tout cas, le rôle de l'entraîneur, ça va être de gérer ces contraintes-là, et de voir comment, à un moment donné, on va pouvoir les utiliser positivement, et d'autres, on va pouvoir les utiliser négativement, et ça va être l'objet de notre opinion. Absolument. Ce matin, Fulgue, il a parlé toute la première partie, j'ai grandes oreilles comme ça, parce qu'il a énormément parlé de la lecture du jeu et de la compréhension du jeu. Et il disait qu'il y avait certains joueurs chez qui c'était relativement inné, c'était quelque chose qui était facile, instinctif, et puis d'autres chez qui c'était beaucoup plus compliqué. Et il a rajouté, c'est la chose la plus difficile à apprendre dans le basket. Et c'est celle où on voit le moins les progrès, c'est ce qu'il a dit ce matin. Et ce qu'il a dit aussi, c'était que pour travailler ça, eh bien, il fallait le travailler souvent, et avec un maximum de répétitions. Alors, attention, quand on dit un maximum de répétitions, il faut quand même varier les situations pour que ça reste des situations d'amusement et agréables pour les enfants. Ça va, mais c'est quelque chose qu'il faut travailler dans un maximum de situations différentes, de situations diversifiées, mais qu'il faut grandement répéter. Pour un enfant, prendre toutes les informations, c'est difficile. Un enfant de moins de 8 ans, il est égocentrique. C'est le ballon et moi. C'est pour ça qu'on parle de phénomène de Graff et d'amour. Le ballon et moi, c'est déjà une difficulté pour le contrôler correctement. À ça se rajoute la cible. Le ballon, moi et la cible. Déjà trois choses. En plus de ça, on rajoute des partenaires. Ah, c'est pas terminé. On va rajouter aussi des adversaires. Et en plus de ça, on rajoute le coach qui crie plein de trucs sur le côté. Et les papas et les mamans avec la dimension émotionnelle qui va avec. Tout ce qu'il faut faire, attention, derrière toi, à gauche, à droite, passe, marque, oui, plus vite, non, attention. Là. Il y a énormément d'informations. Or, ce qu'on va demander aux joueurs, c'est de faire le meilleur choix au bon moment. Et pour pouvoir faire le bon choix au bon moment, il va falloir l'entraîner. Entraîner à utiliser le bon outil, le bon aspect, la bonne qualité technique ou tactique au meilleur moment possible. Ça ne sert à rien de savoir faire passer la balle 15 fois sous mes jambes si, quand je peux faire un layup tout seul, ben je la passe d'abord 15 fois entre mes jambes. Je ne suis pas dans la compréhension et dans la lecture du jeu. Ça va ? Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Oui, sur le terrain. Et tu viens sur le terrain. Va chercher un ballon, vite. Ok, parfait. Peut-être que tu viens un peu le. Viens. Alors, sur le côté, on va vous demander d'observer.
c'est jouer en 3 contre 3, en 3 et 3, c'est réaliser une action, ou faire des choix au bon moment et au bon endroit et le plus rapidement possible. À votre avis, chez Charles, quel était l'élément des deux qui a fait défaut à ce moment-ci? Réaliser une action ou faire des choix au bon moment? Le premier, réaliser une action. D'accord? Il n'a pas bien utilisé l'outil. On continue. On continue. Très bien, continuez. Pas inné, en tout cas que l'entraîneur peut indiquer au moment.
verset où j'ai mis l'accent sur autre chose. Devant, derrière, gauche, droite. Fulvio, ce matin, a dit, il y en a qui ont saigné la lecture d'informations. Eh bien, ton prénom ? Félicitations, Romain, c'était vers là-bas. Pendant que je faisais aller là-bas, tenez-le bien, hop, à demain, ouais. Quand je la faisais aller, elle tournait vers l'avant. Juste pour vous dire que prendre conscience des infos, l'entraîneur, il peut jouer sur ces contraintes-là. Contraintes de l'espace, du temps, des informations. Et c'est juste s'il est conscient de toutes les informations qui sont présentes au niveau du basket, eh bien s'il est conscient de cela et qu'il va les mettre en avant, en valeur chez ses joueurs, eh bien ces joueurs-là auront conscience qu'il existe différentes informations. Et lui, eh bien, il était conscient que la balle, elle pouvait tourner d'un sens ou dans l'autre. Et simplement pendant l'exercice, il a observé ça en plus que les autres. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est que tous les autres, à un moment donné, si je fais cet exercice-là, ils sauront percevoir le côté gauche, le côté droit, l'espace avant, l'espace arrière, mais aussi d'autres dimensions plus fines, d'accord, qui vont être importantes dans les jeux, ou ce qu'on appelle toutes les disciplines ouvertes, c'est-à-dire où tout le monde bouge dans tous les sens, où il y a toute une série d'informations à prendre, et où la discrimination de l'info, hein, la prise de l'info va être importante. Merci beaucoup. Donc comme je vous l'ai déjà dit, on a, en tant qu'entraîneur, on a des moyens. Les moyens c'est quoi? Eh bien on va pouvoir soit simplifier, attention c'est pas rendre simple, c'est pas simple, c'est pas mettre des situations simples, c'est les simplifier par rapport au basket. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ben, au niveau du temps, on va pouvoir jouer. La notion des 3 secondes que vous connaissez dans le règlement du 3 et 3, eh bien, on va apprendre à la gestion du temps. Au niveau de l'espace, je vais pouvoir les mettre sur un espace qui est fermé. C'est quoi un espace fermé? Mais c'est un espace qui n'évolue pas beaucoup. Les joueurs restent chaque fois au même endroit et ils n'évoluent pas. L'espace ouvert, tous les enfants et tous les joueurs bougent à tout moment. D'accord? Et là, c'est sur des contrats sur lesquels ils bougent. Sur les choix, est-ce que je vais pouvoir faire telle la passe? Je vais pouvoir shooter? Est-ce que je vais pouvoir dribbler? Je vais pouvoir jouer sur ces éléments-là. Sur les actions, d'accord? Là aussi, quel type d'action aller, ou en tout cas les choix plutôt aller sur le côté gauche, pardon, le côté droit, dribbler plutôt que shotter, alors que les actions, mais c'est la réalisation de ce que l'on va faire. Et les partenaires et les adversaires, eh bien je vais pouvoir en mettre, ne pas en mettre, leur donner un certain pouvoir, ne pas leur donner un pouvoir, mais c'est au fur et à mesure, en gérant ces contraintes-là, que l'on va faire évoluer les situations. Ça permet aussi, donc on a dit au départ dans les contraintes, qu'il y avait énormément d'influences et d'informations à prendre de beaucoup de domaines différents. L'espace, le temps, le ballon, la cible, l'entraîneur, papa, maman, c'est l'émotion qui compte. Ça va permettre d'élaguer pas mal de contraintes. Au lieu d'avoir de l'espace, un grand terrain, eh bien on va aider les joueurs, on va mettre des moyens pédagogiques pour les aider à ne pas avoir le choix entre 10 000 places possibles sur le terrain. On va pouvoir mettre par exemple des pastilles ou réduire le nombre de choix et donc les aider à faire les bons choix. Petit à petit, là je prends l'exemple de l'espace, bien on va les amener à faire eux-mêmes les choix, à trouver eux-mêmes les solutions. Mais au départ, que ce soit pour le temps, pour l'espace, pour les actions, hein, on peut obliger les passes plutôt que les dribbles. Au départ, on va essayer qu'il y ait moins de choix. Et petit à petit, on les entraîne à faire le tri entre toutes les informations pour prendre les meilleurs choix possibles. Mais faire tout en une fois, c'est impossible. C'est impossible. Et c'est pour ça qu'on doit être progressif dans ce qu'on va leur amener et dans les exercices qu'on va leur proposer. Il faut absolument être progressif. Voilà, donc c'est ce qu'on vient de dire. Petit à petit, on va essayer de ne pas aller dans des situations simples, parce que les situations qui, vous, adultes, vous entraîneurs, vous paraissent simples, eh bien, c'est déjà des situations complexes pour les enfants. Ce que Benoît vient de faire avec la balle, c'est pas une situation compliquée, c'est simple. Mais c'est déjà complexe, parce qu'en même temps de faire une action, je dois prendre les informations et réagir en fonction. Et au plus je réagis vite, au mieux c'est. Donc, des situations simplifiées, aller vers des situations qu'on va complexifier au niveau de l'espace, au niveau du temps, ça va, ça peut être où on réduit le temps que les joueurs ont pour prendre la décision. Au plus haut niveau, c'est ça qui fait la différence
attaquer mon joueur, une seconde plus tard, eh bien, il a sans doute eu le temps de se replacer en défense et je perds une option. Je perds un moyen de prendre l'avantage sur mon opposant, qu'il soit attaquant ou défenseur. Donc entraîner le fait de réagir vite par rapport à prendre la décision. Au niveau du temps, au départ, on peut obliger par exemple à faire que des passes et puis on va mettre le choix. Soit j'utilise la passe, soit si ce n'est pas possible, eh bien, j'ai aussi le dribble. Mais attention, le dribble, parfois, c'est moins avantageux que faire une passe. Il faut expliquer aux joueurs quand l'un est plus avantageux que l'autre et leur donner la possibilité de faire le choix. Et certainement qu'ils vont se tromper. Et plus d'une fois. Et quand je regarde les matchs au niveau, ils se trompent aussi. Mais il faut essayer d'encourager les bons choix, les bonnes actions. On dit, ben voilà, il faut, etc. On donne une ligne de conduite. Alors, il faut savoir qu'il y a certaines données, qu'il y en a qui s'intéressent à étudier comment les enfants réagissent dans des situations. Donc, juste pour vous donner quelques petites balises, mais on va pas trop, parce qu'on est déjà très long aussi dans notre intro, mais juste vous donner quelques balises qui vous permettent d'un peu structurer votre travail. Voilà ce que dit la littérature scientifique sur la prise d'information et sur les comportements moteurs. Avant 7 ans, il y a une très forte variabilité des réponses motrices. Même qui sont simples. En fait, ici, ils ont étudié simplement l'idée qu'un enfant qui suit une balle des mains, jusqu'à 8 ans, il va, en tout cas des yeux, pardon, et il va agir en fonction de ça. Il va donner une première réponse. Donc, il va, si par exemple la balle, il devait suivre la balle du doigt, donc la balle est lancée. Qu'est-ce qu'il va faire dans un premier temps, jusqu'à plus ou moins 8 ans? Il va lancer son bras s'il doit la suivre, il va lancer son bras et si la balle se modifie sa trajectoire parce que c'est un ballon de baudruche ou c'est un autre ballon, il n'aura pas l'occasion de le modifier. Donc il y a très très peu de correction au niveau du mouvement par rapport à une information. Quand on va arriver vers après 8 ans, d'accord, donc vers 7-8 ans, on utilise les infos, on va réaliser un contrôle rétroactif lent. Ça veut dire que l'enfant, vers 7-8 ans, va basculer. Il va pouvoir, et c'est simplement du chat et de la souris, pardon, comme exemple. J'ai un banc, on le fera après. Deux enfants sont de part et d'autre du banc. Il y a un chat et une souris. D'accord ? Généralement, le chat choisit, par exemple, une direction. Et la souris va en décider une autre. Eh bien, avant 8 ans, la tendance générale, c'est quoi ? Mais c'est que la souris, prenons-en un coup. Hop, je veux bien, je vais faire le chat, je vais faire la souris. Donc le chat, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va devoir essayer de le toucher. Attention, on ne peut pas marcher sur le banc, on tourne autour. D'accord? Et donc il va essayer de le toucher. Ça va? Ah, c'est parti. Merci, super. Il a utilisé une stratégie. Quelle est la stratégie qu'il a utilisée? Pardon? Je parle du chat. Pour avoir la souris. Pardon. La vitesse. Il a utilisé cette qualité individuelle. Il n'a pas utilisé une tactique. Il a utilisé une. Et c'est ce que je disais au niveau des deux éléments. Il y en a un qui court plus vite que l'autre. Eh bien, il s'en est assez vite rendu compte. Il est resté dans le même mode de fonctionnement. Et il a arrivé à rattraper l'autre. Donc, il a utilisé. Non pas, il a fait un choix en quelque sorte, mais il s'est vite rendu compte qu'il courait peut-être un peu plus vite que l'autre. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Et qu'on pourrait, pour qu'il soit peut-être un petit peu plus finaud, un petit peu plus, voilà, qu'est-ce qu'on aurait pu lui demander de faire? Utiliser la ruse en changeant de place. Voilà, par exemple, utiliser la ruse. Donc ici, souvent, les enfants, quand on leur demande une tâche, ils ont tendance à être beaucoup plus lents dans le changement de comportement. Donc parfois, on a tendance, en tant qu'entraîneur, a demandé beaucoup trop. Les enfants, alors qu'ils n'ont pas encore les capacités de changer comme ça de choix et d'élaborer une réponse qui est différente. D'accord ? Il y est arrivé, mais ça a pris un certain temps. Nous, notre but au niveau de l'entraîneur, c'est que le chat, il attrape la souris, mais un petit peu plus vite. On va essayer, et c'est ça le rôle de l'entraîneur, c'est de faire en sorte que ça soit plus efficace. Et donc, on va lui donner comme outil le changement de direction, les feintes, etc. Par exemple.
Après, vers 9-10 ans, là, on commence à avoir une perception qui commence à évoluer un peu plus. D'accord ? Et là, où on a déjà des éléments qui se basent sur plutôt comment l'adulte fonctionnera. Mais c'est les premières prémices. Ça va ? Voilà, juste un petit cas. Important, la dernière ligne, c'est que chaque fois que l'enfant va avoir une modification morphologique, il va grandir, d'accord, ou il aura un petit peu plus de force, et bien chaque modification au niveau de son corps, au niveau de sa morphologie, va donner une période de latence plus grande. Donc il aura tendance, et les entraîneurs aussi parfois n'en prennent pas conscience, ils aimeraient bien que l'enfant agisse comme il agissait avant, mais vu qu'il a des jambes un petit peu plus longues, et bien il va courir un petit peu moins vite, il va être un peu moins bien coordonné, et donc ça va modifier ses réactions aussi. Et donc là, l'entraîneur doit être vigilant aussi à comment évoluer cette. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à ce que vous avez déjà entendu ? Non ? On peut continuer ? Allez, on continue. Deuxième élément au niveau de ce que la science nous apprend aussi, au niveau consigne, et là, je vais faire un petit lien avec la vidéo, ça peut être intéressant de remontrer la vidéo maintenant. Vous allez essayer d'écouter ce que l'entraîneur dit. D'accord ? Donc en fait, l'entraîneur, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il parle, ces jours. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va donner un certain nombre d'informations. Eh bien, il faut savoir que l'information que l'entraîneur va donner, eh bien, ça va avoir un effet plus ou moins important par rapport à l'enfant. Essayez un petit peu d'écouter, on va essayer de parler, de réfléchir par rapport à ça. Peut-être pas spécialement bien entendu, mais quand le numéro 7 a eu la balle, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit attaque l'anneau. Eh bien, ça, d'un point de vue scientifique, c'est ce qu'on appelle un focus interne. Ça veut dire qu'on focalise l'enfant sur ce qu'il doit faire et pas sur ce qui est versus le focus externe. Je ne sais pas s'il y en a certains qui étaient là au clinique de Benny Mertens il y a quelques années, je ne sais pas s'il y a un an ou deux ans. Il a parlé de cet élément-là d'entraînement haut niveau. En fait, il faut savoir que quand on focalise l'enfant sur le résultat, donc ici je vais donner l'exemple du lancer franc, eh bien, les études ont montré que si on focalise le joueur, c'est valable dès le plus jeune âge, si on focalise les enfants sur ce qu'ils sont en train de faire, focus qu'on appelle interne, la performance, on va dire immédiate en tout cas, la performance qui va en découler, va être moins bonne que si on focalise les adultes et les enfants sur le résultat de cette action. Donc le lancer franc, c'est typiquement un entraîneur qui dirait « plie bien les jambes ». Là, c'est un focus interne. Eh bien, la littérature scientifique, elle dit « si on focalise trop les joueurs sur les éléments internes, le résultat sera moins bon ».
Je parle ici de court terme. D'accord ? Et donc, chez les enfants, si on veut qu'au fur et à mesure des séances et qu'à l'intérieur des situations que l'on met en place, on veut qu'il y ait des petites progressions au fur et à mesure, eh bien, on va essayer de se donner des éléments sur un focus externe. Et là, ça aurait pu être, on en a discuté ensemble, par exemple, sur les regards, sur quelles vont être les options possibles. Là, il a donné un choix. Il a imposé un choix à l'enfant. Il a dit, attaque l'anneau. Il aurait pu dire, regarde. Et là, ça met l'accent sur le fait qu'on va laisser la responsabilité à l'enfant de choisir ce qu'il fait. Et donc, on va non pas lui imposer son choix, mais on va le laisser choisir. Et donc, le vocabulaire qu'on va utiliser va être super important sur les résultats de cette action. Et chez les enfants, c'est exactement la même chose. Si on veut les mettre dans des situations où on les laisse choisir, parce qu'on sait qu'en basket, le joueur, il doit faire, c'est lui qui fait ses choix, parce que c'est lui qui est dans la situation de jeu, on doit aussi, nous, en tant qu'entraîneur, le mettre dans des conditions où il va pouvoir choisir. On rentre dans la discussion sur finalement qu'est-ce qu'on va privilégier. Est-ce qu'on va privilégier le jeu du 1 contre 1 ou est-ce qu'on va privilégier le jeu collectif? On va toujours privilégier les deux. Mais en lui imposant le choix, on ne lui dit pas, on ne lui explique pas, on lui donne la solution. Et il ne va pas après comprendre pourquoi est-ce qu'il doit l'utiliser dans telle et dans telle situation. Si on lui impose le choix, il ne saura pas le comprendre. Et quand on lui dit attaque, c'est vrai que peut-être à certains moments, si l'enfant ne le fait pas, il faut être capable de lui dire, mais alors au bon moment, quand on sait que c'est la meilleure option dans cette situation-là. Parce que, par exemple, il y a un retard de la défense, hein, les défenseurs sont en retard, et on lui dit, ben, vas-y, attaque, rapproche-toi de l'anneau. Là, on lui donne une option dans une situation bien précise, parce qu'on se rend compte que, par exemple, précédemment, il n'a pas pris le bon choix. Mais naturellement, on ne le prendrait pas. Voilà. Donc c'est induire, c'est faire en sorte qu'il ait la responsabilité de ses choix, mais c'est aussi faire en sorte qu'on puisse influencer parce qu'on sait que tel et tel choix sont meilleurs que d'autres parce que voilà, la situation de jeu est définie. Oui. Si, mais qu'est-ce que tu veux, un résultat immédiat ou tu veux que plus tard, quand il sera un joueur, qu'il ait une bonne lecture? Regarde l'anneau, quelle est la bonne option? Oui. Regarde. Mais effectivement, le temps se retrouve. Effectivement. Si tu arrives à diminuer ce temps-là et à ne plus devoir dire regarde, alors tu as réussi ton job. Et donc, en termes de résultats, en tout cas, il faut bien être en tout cas conscient que les paroles que l'on donne aux enfants ont un effet qui va être différent. Alors, au niveau des moyens aussi que l'entraîneur dispose, il y a des règles et des principes. Les règles, c'est ce qui contraint les choix. Le basket, il y a un certain nombre de règles sur lesquelles on ne peut pas contourner, on ne sait pas passer dessus. D'accord ? L'exemple du règle du marché, je ne peux pas marcher avec le ballon, mais voilà, c'est une règle qui contraint les choix. Et les principes de l'entraîneur, lui, vont aussi contraindre, mais ils vont diriger les choix. Donc, par exemple, les 3 secondes, alors pas les 3 secondes dans la raquette parce que 3 et 3, il n'y en a pas, mais les 3 secondes balle en main, on va privilégier le principe.
principe que l'enfant ne va pas garder le ballon plus de 3 secondes en main, ni rester 3 secondes à la même place, et bien ces principes-là, ce sont des moyens que l'entraîneur va pouvoir utiliser pour orienter et pour diriger les joueurs. Et ça, c'est important de faire la différence entre des principes qu'on établit et des règles qui sont imposées par la discipline et que l'on Alors, qu'est-ce qu'on attend des enfants? C'est ce qu'on entraîne. Il ne faut pas qu'on attende des enfants qu'ils lisent le jeu si on ne les invite jamais à lire le jeu. Et ici, vous allez voir, dans les situations qu'on va proposer, on va le faire, en termes de choix, en termes d'action. Mais c'est aussi fixer les réponses. Les sports co, et particulièrement ici le basket, c'est le fonctionnement si, alors. Si mon joueur, si mon adversaire fait ça, alors je vais faire ça. Et là, on a défini un arbre de décision, voilà, qui va nous permettre de structurer le travail. Si mon équipe a la balle, donc ici on est bien dans la lecture du jeu offensif, donc on va se focaliser là-dessus. Si mon équipe a la balle, il y a deux possibilités. Si j'ai la balle et si je n'ai pas la balle. Et on va devoir leur faire comprendre que cet arbre de décision-là, ils vont devoir essayer de l'intégrer. Au mieux, en tout cas, on va essayer de le construire au fur et à mesure. Si j'ai la balle, alors je m'oriente vers la cible, quoi qu'il arrive. Si je reçois la balle, je reprends. C'est le regard, hein, ça. Voilà, c'est le regard. Si je n'ai pas la balle, ben là, il y a déjà deux possibilités, peut-être, si je n'ai pas la balle. Il y a peut-être un choc, hein, ou il n'y a pas de choc. Alors, s'il y a un choc, je continue dans la deuxième partie. S'il y a un choc, alors je vais jouer le rebond, ou je donne une solution de passe. Non, pardon. Donc, s'il y a un choc, je joue le rebond. Seule possibilité. S'il n'y a pas de choc, alors je donne une solution de passe vers la cible. Maintenant, lorsque je me suis orienté vers la cible, qu'est-ce qu'il en découle, d'accord, si je suis le mieux placé, c'est ça la première option, donc on va prioriser les choix. Si je suis le mieux placé pour shotter, je shotte. Alors, ça ne dit pas comment shotter. Ça dit je shotte, ça veut dire aller réaliser un lien, ça veut dire shotter à l'arrêt, ça on ne précise pas, c'est l'option. Alors je shotte. Alors je shotte. Voilà. Si je suis le mieux placé, alors je shotte. Maintenant, si un partenaire est dans une meilleure situation que moi, et ça c'est la discipline, on ne fait pas du bowling, on n'est pas seul en train de lancer sa balle, on a plusieurs, d'accord. Si un partenaire est dans une meilleure situation, alors je dois lui faire la passe, et je dois lui passer la balle. Ça c'est la première. Donc on se remet ici, je m'oriente vers la cible, bien je regarde, quelles sont les options que j'ai, je suis mieux placé pour shotter, je shotte. Un partenaire est dans une meilleure situation que moi, on imagine le 17, mais si un copain était tout seul près d'un autre, alors je passe. Passer la balle, je dribble en me rapprochant de la cible. Ça veut dire que mes partenaires ne m'ont offert aucune situation, que mon adversaire m'empêche de shotter. Alors là, je suis dans la situation où je vais me rapprocher de la cible. On va toujours essayer de veiller à faire ça. Donc, dans un premier temps, on sait que dans le basket adulte, on autorise à libérer un espace, en tout cas, reprendre de la distance, réouvrir le jeu pour pouvoir aller attaquer. Ici, chez les tout petits, c'est un principe qui va être que l'on ne va pas appliquer dans ma vie. Quand je joue le rebond, eh bien là j'ai deux possibilités, soit quand je joue le rebond, oui. J'ai une question, donc après vous avez dit un principe qu'on ne va pas appliquer, on commence à le marquer parce que là, c'est ce qu'on va faire. Donc, lorsque je joue le rebond, soit j'ai la balle, je reçois la balle, soit je ne la reçois pas, d'accord. Donc, si je ne la reçois pas, alors je donne une autre solution à un autre endroit d'un partenaire. Évidemment, c'est si l'équipe ou si l'autre équipe prend la balle, alors on se retrouve dans la situation où je suis un peu. Ça va? Voilà, ce qui nous structure au niveau des décisions, de ce que l'on attend. Choisissent la meilleure option possible. Ça va? Ah,
la situation. Alors ici, c'est le principe du jeu de transition. Donc on ne travaille pas sur un jeu de terrain, on va travailler sur un principe de transition avec trois couloirs. D'accord ? On a le couloir des enfants, vous voyez bien. Donc on a le couloir là, en tout cas la porte. On a une première porte là où il y est, d'accord ? La porte de gauche. On a la porte du milieu, ça va ? Et on a la porte de droite. Alors voici les exercices. Vous allez faire chacun le tour. Et quand vous reviendrez dans un premier temps, puisque c'est nouveau pour vous, vous
essaye que les enfants partent en mouvement. Ils ne partent pas à l'arrêt d'une situation. Là, on les met déjà dans une situation de, voilà, de petite compétition où ils doivent réagir par rapport à ça. Et puis, on symbolise ici le ballon. Et les deux autres joueurs qui n'ont pas le ballon, ils vont devoir réagir à la position sur un jeu de transition, à la position et l'occupation des couloirs. Jeu sans ballon. D'accord ? Et puis ensuite, pour favoriser la lecture de jeu, est-ce que je suis le mieux placé ou je suis le moins bien placé dans notre arbre à décision, on va d'abord privilégier les situations en supériorité numérique, c'est-à-dire avec un défenseur en moins. D'accord ? Comme ça, on va forcer la décision. Il y aura probablement, en tout cas, on va essayer de forcer le fait qu'il y ait chaque fois un joueur libre et qu'on doit le faire avancer le plus près possible de l'anneau, d'accord, et lui donner la solution. Les situations étaient évolutives. On est parti du moi et la balle, avec au fur et à mesure un partenaire, un défenseur. Évidemment, ici, on a un petit peu plus de temps pour installer les choses. On a voulu présenter un certain nombre d'options. On pourrait aussi le terminer simplement en 3 et 3, avec par exemple 3 défenseurs qui sont soit placés, qui ont un retard. Ça va ? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que, ou des remarques par rapport à ce que